Bonjour tout le monde, c'est Maman Azizou et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer un petit truc. Ben là j'étais en train de me faire une petite partie sur Donkey Kong Country 2, enfin Advance 2 sur la Game Boy Advance. Comme ça, je l'ai jamais connu. D'ailleurs je vais essayer de me le faire un jour, peut-être en WT, je sais pas, on verra bien. Donc là je vais vous faire, je vais vous dire quelque chose. Donc là en fait je vais commencer, ben, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et puis après j'ai commencé à voir un gars qui faisait des vidéos, il faisait des tests sur les jeux vidéo et il les faisait pas en WT quoi, il les faisait juste, il jouait juste comme ça. Donc moi ça m'a donné une idée et je ferai une vidéo par semaine où je ferai des trucs comme ça et ben là je vous explique juste, je sais pas, hein, on va parler de ce jeu, je sais pas. Je le connais même pas, alors là c'est juste pour vous expliquer. Bon, alors là, ouais, d'accord, on s'en fout. Je vais commencer à vous parler de ça. Et donc, je sais pas quel jour ça va sortir. Peut-être jeudi, je sais pas trop. Ouais, peut-être jeudi, ça m'irait. Et puis comme ça, après, ça serait cool. Et en plus, la plupart des gens aiment bien ça, les vidéos de ce genre. Alors là on peut voir Didi et Dixie et là Cranky Kong. Oh là là, la qualité par rapport à Donkey Kong Country Tropical Freeze. Allez, l'autre qui jongle, l'autre qui s'assit, le vieux pépé qui marche. Oui, normalement il est en français, enfin peut-être qu'il est en français parce que la Game Boy Advance, il y a beaucoup de jeux en français. Il y a beaucoup de jeux rénovés sur la, enfin refaits sur la Game Boy Advance des jeux Super Nintendo. Oh, il y a Funky Kong et tout. Donc voilà. Oui, ça sortira tous les jeudis. Oui, je vous ferai des vidéos comme ça où je vous expliquerai des jeux. Là, c'est juste comme ça. Je vous parle en même temps, je joue à ça. Une vidéo, c'est pour regarder des choses. Ah ben, l'Overworld, c'est sur un bateau. Wow. Ah, cette musique, je la connais dans les hacks. Ok, je me fais. En fait, non. Non, je rigole. Alors, déjà, la maniabilité, ça va, elle est cool. Comment monter en haut? Je sais pas. Mais c'est la première fois que je vois ça. Hein. J'ai essayé de me faire le Donkey Kong Country 1, mais j'ai pas réussi. Alors, il y a Dixie. Musique, elle est classe. Ah mais elle aussi je la connais. Ah ça je savais que c'était de Donkey Kong. Mais je savais pas que c'était de lui. Ah mince, c'est pas grave. Ah mais ce jeu il est excellent. Je vais me faire le 1 sur la Game Boy Advance. Parce que sur la Super Nintendo, j'ai remarqué que c'était voilà quoi. Quand tu perdais, tu devais tout recommencer dans le deuxième Overworld. Ça a commencé à me saouler. Ok, donc la maniabilité est cool. Kong, il faut rassembler toutes les lettres pour que ça fait le mot Kong et ça vous gagne une vie, je pense. Je me rappelle plus. Les Donkey Kong, faudrait que je commence à m'y mettre là, les gars. Déjà en plus, ça va me permettre à gagner des abonnés déjà. Et ça, c'est cool parce que genre, j'aime pas faire des vidéos pour personne. Je préfère que les gens me connaissent et qu'ils regardent et que je donne envie aux personnes de jouer aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est tout! Voilà, on va faire le premier niveau et puis c'est tout. Donc ça se commence sur un bateau. Et le jeu se joue à deux déjà, hein. C'est sur Game Boy Advance. Il faut le fil, il faudrait que vous vous l'achetez. Mais dans ces temps-ci, ça va être un peu dur à le trouver. Avant, j'avais une Game Boy Advance et mon cousin Timilou avait une Game Boy Advance SP. On s'amusait à Super Mario World à deux. C'était quand même cool. On s'amusait, on s'éclatait. Toujours c'est plus fun de jouer à deux. Si vous avez un frère ou un pote qui vient beaucoup de fois chez vous ou un cousin, en profitez-en parce que c'est vraiment cool. Donc dans les Donkey Kong Country, on a beaucoup, on monte sur les animaux et tout. Wow, qu'est-ce qu'elle fait elle? Je savais pas que Dixie Kong c'était une rockeuse. Ok, je sais pas si ça dit comme ça. Voilà, on va voir un peu vite fait le deuxième niveau. Mais écoutez, les musiques sont vraiment cool, hein. De manière, les jeux de Game Boy Advance, ils sont vraiment cool. Hein. Je veux pas dire, mais c'est, je trouve la Game Boy Advance mieux que la Super Nintendo.
Et la Game Boy Advance est sortie en même temps que la... Enfin, pas sortie vraiment en même temps, mais c'était à l'époque de la GameCube. Cette musique aussi, je la kiffe. Ah, mais non, mais... En fait, tous les jeux qu'on trouve dans les hacks, et ben on les trouve dans... Et ben en fait, ça vient de ce jeu, je savais pas ça. Ah, c'est pas grave, c'est fait touche. Écoutez, là, je suis ébloui par ce jeu, vraiment. Là, je dis bravo aux auteurs de ce jeu. Je vais me faire le 1, et peut-être que je vais me le faire en WT, après je vais faire le 2, après le 3. Voilà tout, voilà. Oh, c'est quoi ça? Toi, dégage, bim. Oh, ouais. Là, ça, c'est cool. Allez, Dixie, je sais pas si c'est ma soeur, un truc comme ça, mais là, je pourrais... D'habitude, dans tous les jeudis, je vous expliquerai mieux, je pense. Oui, je vous expliquerai mieux, parce que je testerai bien les jeux, et... Je ferai des jeux que je connais principalement. Parce que lui, je le connais pas. Ça doit être un jeu mystique celui-là. Parce que, wow. Il est vraiment cool. C'est surtout les musiques là qui me... Voilà. Là, je suis marqué par ce jeu. Aïe. Par contre, un peu les Donkey Kong qui sont un peu flous. Enfin, voilà quoi. Ah mince. Au moins, on écoute la musique. Ah, elle pleure. Bon voilà. Et ben voilà, ben, c'est fini pour cette vidéo. Ça sera que des vidéos de moins de 10 minutes. Hein, mince. Et puis c'est tout. Hein, voilà. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Et je vous expliquerai un peu mieux le jeu la prochaine fois. Là c'était juste parce que je me faisais une petite partie. J'avais eu une idée de vous faire cette vidéo. Donc cette vidéo sortira jeudi. Allez, bye tout le monde. C'était Mamna Zizou.